Bonjour à tous et à toutes. Ben voilà, donc nous voilà revenus sur le site de vol d'essai de la Bourcaresse, près de Montpellier. Et aujourd'hui, nous allons tester deux cerfs-volants, qui sont en fait un seul cerf-volant décliné en deux dimensions, qui sont en principe des cerfs-volants prévus pour vent faible. Bon, aujourd'hui, difficile d'avoir du vent faible dans le sud de la France et particulièrement sur la Méditerranée. Ici, le vent faible, en réalité, c'est un vent de 15 à 25 km/h. Donc, on va quand même essayer ces deux cerfs-volants qui sont une déclinaison d'un cerf-volant mis au point par un cerf-voliste autrichien. Un cerf-volant qui est sous la forme d'un delta, qui a vraiment des capacités de stabilité très intéressantes et qui en font vraiment un très bon porteur pour monter les nacelles photographiques et faire de la photo aérienne. Donc le premier que nous allons essayer est une version, c'est-à-dire qu'il fait un peu plus de 3 mètres d'envergure. Et le second est une déclinaison en beaucoup plus grande dimension, puisqu'on approche les 5 mètres d'envergure. Donc je vous parlerai après tout à l'heure des différents détails, des particularités pour la construction de ces cerfs-volants. Donc maintenant nous en sommes aux essais, en espérant que ça ne sera pas un crash monumental et un échec. Bien, donc déjà une belle surprise parce que ici on est donc dans un vallon un petit peu creux et avec un vent de nord-ouest qu'on appelle la tramontane qui au niveau du sol brasse un petit peu et donc est assez perturbé. Mais là ici je suis monté à environ 30 mètres de hauteur. Je vais vous montrer après le retour du cerf-volant. Et donc à 30 mètres de hauteur on a un cerf-volant qui donc avale le fil correctement, vous allez voir, vous voyez, voilà, et qui est parfaitement stable, que vous allez pouvoir le constater dans un instant. Vous voyez donc que le cerf-volant avale le fil, dès que je bloque, voilà, on a un cerf-volant qui est parfaitement stable, voilà, qui prend sa ligne, et ça date bien sûr au courant, qui est encore un peu perturbé, puisque derrière nous avons une colline. Nous allons maintenant passer à l'essai de l'autre cerf-volant. Donc voilà, par un vent de 15-20 km/h, c'est un cerf-volant qui monte très facilement une caméra ou un petit appareil APN, donc pour la photographie. Sans faute au niveau de la qualité du vol de ce cerf-volant. Maintenant nous allons pouvoir tester le plus grand modèle qui fait près de 5 mètres d'envergure et qui lui est plutôt destiné à des vents inférieurs à 15 km/h. C'est pour petits vents de plaine que l'on va retrouver plutôt en zone à l'intérieur des terres et qu'on va retrouver dans des endroits comme la région parisienne ou certaines parties du nord de la France, loin des côtes bien sûr. Parce qu'au bord de la mer, on a toujours l'avantage des brises qui apportent des vents un peu plus soutenus.
Bon, là, c'est un petit peu une première. L'autre, je l'avais déjà bien testé, même pour faire de la photo aérienne. Donc, celui-ci, c'est une première dans de telles dimensions. Et c'est le cerf-volant que j'ai fabriqué pour un de mes amis du Pas-de-Calais, de Le Suic, petit village donc du Pas-de-Calais. Et donc, c'est un cerf-volant que nous avons fabriqué ensemble, que j'ai terminé parce que sa machine à coudre ne fonctionnait plus. Donc voilà, bah, il va avoir la surprise ce soir sur les réseaux de voir voler son cerf-volant qui sera donc un joli cadeau de Noël, voilà, qu'un ami lui offre. Bien voilà, encore une fois, bien, ce magnifique modèle Delta, donc d'un cervoliste autrichien, bien, se révèle être un cerf-volant parfait, que ce soit dans une dimension d'environ 3 mètres, que une dimension extrapolée de presque 5 mètres. Bien, je vous rappelle qu'on est ici dans des conditions de vent extrêmement perturbées. Voilà, je vais vous montrer qu'une fois en vol, eh bien, ce cerf-volant donc, se comporte mieux quand il est dans un flux de vent beaucoup plus laminaire. Voilà, donc je lâche là un petit peu de mou. Blocage du fil. Comme vous pouvez le voir, le comportement est parfait. On voit bien là que le carbone des ailes, c'est du carbone de 8 mm, encaisse bien la déformation et permet au cerf-volant de s'adapter. Donc comme pour celui de 3 mètres, eh bien celui-ci a un comportement qui est vraiment sain en vol et sur lequel on peut facilement attacher, voir là, un appareil photo un petit peu plus conséquent avec une plateforme, une nacelle avec des servomoteurs pour la radiocommande. Donc là ici on est dans une traction, voilà, sur un vent de 15-20 km/h, on est sur une traction de 4 kg à peu près, hein, 3 à 4 kg. Voilà, on va monter encore un peu plus haut, parce que là on est encore dans les turbulences de la colline. Voilà, avec un angle assez impressionnant, là on est dans un angle de plus de 60 degrés, donc c'est très intéressant pour le survol en site urbain ou le survol de monuments. Alors ce qui est intéressant, c'est que le cerf-volant Delta, qui aurait tendance à passer par au-dessus et à redevenir piqueur grâce à la corde que j'ai mis derrière qui fait 5 mm de diamètre, on voit très bien qu'il refuse de passer à 90 degrés et qu'il se remet dans le lit du vent.
Ça, c'est une petite astuce qui est inspirée des. C'est une petite astuce qui a été inspirée par les cerfs-volants de Nantong au Japon. Ils sont des grands cerfs-volants de combat. Et derrière ces cerfs-volants, pour les stabiliser, ils ne mettent pas des queues, ils mettent des cordes qui vont donc permettre de faire balancier et d'avoir un cerf-volant qui se comporte mieux dans les turbulences. Ben voilà, c'est très satisfaisant. Hein. Voilà, encore un beau modèle. Et je remercie notre ami autrichien d'avoir fait cette conception, puisque là on a un cerf-volant qui va atteindre facilement les 60 degrés pour la photographie aérienne, c'est vraiment l'idéal. Donc je pense que je vais reproduire ce cerf-volant après l'avoir offert à mon ami Christian. Je vais refaire exactement le même et celui-là va bien sûr servir pour la photographie aérienne dans des situations où le vent est très faible.